Ap salye tout moun ki pral tande recording sa jodi yo. Se premye fwa map fè sa. Mwen se jounalist, mwen ekri nan plijè medya tankou Ayisyen, Kanadyen, Fransè, Amerikè, Afrikè, etc. etc. But mba jèm fè. Videyo mette online sou Facebook ou nèpot lot rezo sosyal. Se bonan mdouve mnon situasyon kote gon problem ki pose la ki enkyete m apil. Se koze peto karibè. D'abord, fòm di ke mouvan de protestasyon pou rejwen l'ajan peto karibè a li lejitim. Ok? Li lejitim nap akompli ou di mwen se an tanke sitwayen nap eksume dwa nou, son devwa, dizon devwa sitwayen, se sa nap fè la. E son bon bagay. Paske sa nap fè la, sa pral defini pouvoi politik an Haiti nan jou kap vini. Paske son mesaj kler ki nap voye ou dirijan, non selman jodi ya, men de demen, a savo akoman pou yo kompote yo avèk l'ajan, pepla, lè ou gen pouvoi la men. Paske bagan ken peyi pou 4 milyard de dolar rete li disparèt, epi pou pagè person ki rande kont. Se normal pou nou mande kont a moun ki ap dirije peyi an a epok kote l'ajan depanse. Gaspye, dijon, pa depanse. Mam vou rappel rapide sou Petro Karibè. Akor ki sinye an 2 peyi, Venezuela avèk Haiti. Venezuela gran produkteur de petrol, bay Haiti gaz pou l'van, epi kobla, li gen 25 an pou l'remet li, avèk un tou d'intérè ekstremement feble, 1%. Men l'ajan sa al dwe investi nan infrastruktu nan peyi ya. Pase Venezuela se yon peyi ami ke li. Yo pale de 3.8 milyon de dolar, men ki benefis ki fet tou. Se kob la se pa kado yo fe nou, se prete nou prete nou. E ma profite le tan tou, fe mwen intervensyon sou tentative d'amalgame kap fèt, a savwa ke fòk yo juje tout lot moun ki fè malfèsasyon nan kòb peyi d'Haïti, yo menm ale sou François Duvalier. La gwo presizyon pou pote, pou evite nou tombe nan amalgame sa, se ke l'ajan Petro Karibè, a kontrèman avèk l'ajan ke Clinton li menm ki gaspye tout nan nou Haïti, kontrèman avèk tout lot l'ajan te kapal, le kooperatif, etc., etc., rapport Paul Denis, se ke, kom sa, son det liye fòn remèt li. E nou komanse remèt li deja. Nou gen menm ariyere. Sa vle di ke se pou kado li fòn remèt kom la. E se 4 milyard de dolar liye. Sa, m te vle pote si precision sa, ant l'ajan Petro Karibè, avèk tout lot l'ajan ke dirijan ayisyen abitue tradisyonèlman malverse, detounè. Men, rezon ki fè ke fondamental ki fè mwen aprikode baza, se ke se lè m'ap gade komportèman ansyen prezidan Martelly, koman msye ap ri,
Monsieur a gagné dans l'île, il a passé pour une bêtise. Et puis monsieur pas réalisé que gagne une détermination dans le pays à tant que dehors pour lumière faite sur l'argent. Et là c'est dangereux. Monsieur pas même réalisé ça. Bon, pour un petit rappel historique. Tu as gagné Villebrun-Guillaume Sam. Monsieur le président 4 mars pour sortir 27 juillet 1915. Monsieur connaît un sort, mon capable dire dramatique. Dans même protestation que tu as fait, insatisfaction, gaspillage l'argent de l'État etc., etc. Monsieur Rivon côté situation intenable boulé, monsieur le président Villebrun-Guillaume Sam. Monsieur prend asile dans l'ambassade de France. Ça te passe, le peuple a entré dans l'ambassade de France. Il a accaparé des villes brunes, Guillaume Sam. Et puis ça te passe, il a déchiqueté, monsieur. Comme s'il traînait dans toute la rue, pour ton prince. Ça, son histoire, comme moi, dit, qui est macabre. Pourquoi ça m'a mis avec Baïza? Parce que j'ai l'impression que Matel n'a pas compris ce qui a passé là. Parce que c'est un point où pousser un peuple à l'extrême. À ce moment-là, il est capable de poser des actions radicales et que personne ne m'a battu. Mettez tête en danger, femme en danger. Elle dit, j'aime moi Matel, il a gagné dans l'homme, je n'ai pas compris ce qui a passé là. Et c'est très malheureux. Très enfantin tout. Parce que pendant le mois de juillet, 6, 7, 8 juillet, dans l'événement qui est passé en Haïti, ils ont été obligés de dépêcher l'hélicoptère pour venir prendre la famille présidentielle là, évacuer en République dominicaine en urgence. Ça veut dire que ce n'est pas jouet, ce n'est pas essayé. Et ça me dit en tout le concerné. Jovenel Moïse, le président actuel, il a une responsabilité directe. Parce que c'est un monde qui empêche le dossier à faire chemin. Côté pour la justice haïtienne, saisir de lui. Et puis pour nous arriver à une conclusion, qu'on est pour être capable de châtier les coupables. Parce que monsieur rejeté d'un revers de main rapport commission sénatoriale. Donc, on doit arriver à un côté, c'est pas ça, monsieur, je ne veux pas lire ça. Parce que, en tant que chrétien, bon, c'est des bagailles, je ne suis pas capable d'appuyer. Cependant, l'histoire du pays, il a interpellé pour me faire appel à ça. Pour ne pas trouver nos situations de non-retour. Côté sécurité, grand commis de l'État. Yo même il pas garanti dans pays et ces messages ça m'a voyé bah président Jovenel bah ancien président Martelly lui même avec toute famille pour nous dire que j'aime comprendre situation la radicaliser de plus en plus en dedans et dehors pays ya so gaspillage ça il pas prêté comme ça impuni. Il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent pour satisfaire les revendications. Et je venais encore une fois, je suis supposé jouer à l'intelligence. Parce que il y a des gens qui ont longé droit sur eux, nommément. Par exemple, M. Lalo, qui est actuel chef cabinet du président Jovenel Moïse. Il y a Belrive, qui est lui-même tout conseiller. Gros potentat dans le gouvernement. Ça. Monsieur, attention. Piga nous pousser, peuple là, dans un point, côté li gen des réactions, incapable de dire violentes, pour ne pas dire de folie, et que nous-mêmes, même nous capables de victimes. Ça veut dire, Jovenel Moïse est à doué limoges. Dès maintenant, Lalo, comme chef cabinet, en attendant que
enquête là lui-même les conclut et ainsi de suite. Bail la justice tout moyen possible pour investiguer et puis pour présenter Mounio devant la justice pour éclaircir disons situation ça moun qui innocent pral la caillou moun qui coupable pour yo payer remettre comme l'argent plutôt caribé a rappeler encore n'ont pas besoin qu'ils vivent des situations comparables à celles de 1915 côté sécurité même le président qui prend asile dans l'ambassade de France pas de garantie en tant que chrétien conscience interpellé pour me faire rappel historique ça parce que à partir de ma compréhension c'est que situation si moun nan peyi a k'ap souffri pa jwenn satisfaction non pa konnen ki kote ba sa arrive m pa vle ke nou genyen haïtien genyen type de comportement sa yo et que se dirijan yo même ki pousse yo nan position extrême côté yo posé des actions on capable dire extrêmement radical. C'est message ça que m'a donné.